Eric, tu pénètres dans la salle. Oui. Où tu as senti une odeur de décomposition avancée. Tu as distingué, grâce à la lumière de ta lampe torche, quelques squelettes. À quelques mètres devant toi. Oui. Que fais-tu ? Je me retourne vers mes camarades et je leur dis « N'avancez pas plus, parce que là, c'est particulièrement dégueulasse, les gars. » Mais vraiment, vraiment, vraiment. Si vous avez le cœur bien accroché, vous pouvez tenter le coup, mais là... là, c'est non, mais pas ça bon pue, du tout. Ça pue, quoi. Bah, ça pue le cadavre en décomposition avancée. Oui, bon, bah, prenons et votre porte. Et de ce que je vois... Et voilà, et de ce que je vois, pardon, c'est pas Franck, bon. Je suis pressé de sortir de là. Voilà, passe, je t'en prie. Voilà. Franck et Henri, vous êtes pris au cœur par cette odeur nauséabonde. Toi, Walter, tu as déjà vu des corps en décomposition, notamment à la morgue. Rick, oui. C'est un peu la première fois que tu fais face à ce genre de oui. découverte. Tu vas me faire un jet de volonté, s'il te plaît. Voilà. C'était juste dans le principe. Tu vas maintenant me faire un jet de santé mentale. Tu es à 60 de mémoire. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Oh là là, relevant même pas, hein. Non, non. Et par contre, quand tu vas te faire lancer ton dé, voilà. Oh non, ça va. Ça va, ça va. Face à cette vision pas très agréable, tu sens ton esprit un peu défaillir. Et... Bon. T'es pas bien. Tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien du tout. Et tu essayes de reprendre le dessus. Tu te dis qu'il y a une vie en jeu. Walter, tu es derrière, tu vois Rick qui tremblote légèrement au niveau de la lampe torche. Est-ce que tu vas aller voir le charnier pour voir s'il y a des trucs à récupérer ? C'est ton boulot, Walter. Un os, c'est solide. Tu prends le fémur, ça te fait une petite masse. Ouais. Que je peux balancer comme ça, je prends plein de petits os comme ça, là, je les balance comme ça sur la bestiole pour prendre un pas. Shoryuken, tout ce que tu veux. Si tu la touches à l'œil, ça peut marcher. Hein. Oui, mais... Réussite critique sur un lancer de... sur un lancer de phalange. Non, j'ai envie de voir ça. Que fais-tu ? Je vais m'approcher d'Eric parce que je vois qu'il est tout tremblotant, il se sent pas bien. Donc je vais m'approcher de lui et essayer de pas trop regarder ce qu'il y a en face, mais juste me concentrer sur Eric pour essayer de le calmer. Tu arrives au niveau de Eric, tu sens l'odeur qui se fait de plus en plus forte, de plus en plus amère. Voilà. Tu vas me faire un jet de volonté également. Car tu distingues dans la lumière que Rick projette, tu vois également un début de charnier. Tu as l'habitude des corps en décomposition, tu vas me faire ton jet de volonté avec un bonus de 20, s'il te plaît. Tu es à 90%. Oui. Là, tu arrives au niveau de Rick, tu lui tapotes l'épaule. Oui, je sais. ça va fait toujours ça la première fois. T'inquiète pas. Ça va aller, Bobby. Alors, tu lui sors un petit pot d'onguent pour te mettre au niveau du nez, histoire de... Les selles. Histoire de faire passer les odeurs nauséabondes. Franck ? Oui ? Jamais ce genre de choses. Henri, vous êtes de l'autre côté. Que faites-vous ? On garde les arrières. Ah, les fillottes. Moi, je propose, tu vois, d'aller un peu plus proche de l'autre porte, là, du coup. Ouais, un de chaque côté, et on écoute déjà ce qui se passe. Ouais, déjà, pour surveiller, des fois qu'il n'y ait pas un truc derrière, tu vois, qui soit prêt à bondir ou autre. D'ailleurs, la porte, elle s'ouvre vers quel côté ? Oui. Vous voyez qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. D'accord, donc déjà, il ne peut pas nous assommer en nous mettant un coup de pied dans la porte, c'est cool. Et bien vu. Eh oui.
Je vais en toute. Bah déjà, je voudrais écouter, voir si j'entends du bruit derrière. Tu vas me faire un jet d'écouter dans ce cas avec un malus de 20. Tu es dans ce c'est cas. C'est une grosse à porte. 65%. Pourquoi un malus parce que ta gueule, c'est magique. D'accord. Bah ça passe quand même. Tu tiens, voilà. Tends l'oreille et très faiblement. Tu n'arrives pas à distinguer la distance, tu entends des petits bruits de pas. Ah. Qui résonnent. Est-ce que les bruits de pas ont l'air de s'approcher ou pas? Tu n'arriverais pas à le distinguer. D'accord. Henri. Moi je prépare mon arme prêt à dégainer et à tirer le moment venu. Et surveille. Le tour inutile, tu sais. Non, mais on attend que vous reveniez. C'est du, bah, c'est oui. Du grand JP. Raton. Non, mais j'espère avoir un bonus. Je prépare venu. La fuite. Très bien. Vu qu'il est concentré, qu'il est préparé, il est vrai qu'il aura peut-être droit éventuellement à un bonus après. Holmes et Watson, Jenkins et Walter Reed, vous êtes proche du charnier. Vos camarades restent en retrait. Que faites-vous? Vous voyez une pièce assez vaste, avec plusieurs grandes cuves, plusieurs grands tonneaux, et vous voyez que la pièce continue un peu plus loin. Voilà, tu m'as mis le petit onguent, donc l'odeur me dérange un petit peu moins maintenant. Arrive à, voilà, t'arrives à surpasser un peu l'odeur. J'aimerais quand même explorer la pièce. Rick, tu vas pouvoir avancer jusqu'ici. Merci bien. Walter, tu vois ton camarade qui s'éloigne, très bien. Vous avancez. Vous arrivez au niveau d'un tournant. Oh là là. Okay. Dans l'encadrement de celui-ci, vous voyez une table avec ce qui semble être des morceaux de viande. Okay. Des morceaux de chair en décomposition. Va appeler pour les la autres. Plupart. Walter, va appeler les autres, dis-leur de venir. Dis-leur de venir parce que on n'a pas tout vu. D'accord, mais du coup, je retourne voir les petits bonhommes. Tu arrives à leur hauteur. Quand je le vois arriver, je mets mon doigt sur la bouche tout de suite pour pas qu'elle fasse de bruit. Ah, il. Pour pas qu'il fasse de bruit. Pour pas qu'il fasse de bruit. Mais confus. Très bien. Il fait noir. Bien. Et du coup, je lui fais signe. J'ai entendu des bruits de pas derrière la porte. Voilà. On a trouvé quelque chose de l'autre côté. Va chercher Rive. Putain, fais chier. Bon bah on y va mais on y va mais on fait pas de bruit. Ok. Attendez, je vous mets de l'onguent. Fermez les yeux, tenez-moi la main, on y va, comme ça vous voyez rien. Et vous ne sentez rien. Oh, bien joué. Ah, bien c'était joué. Bien intelligent de ta part. Bien joué. Tes camarades vont peut-être vouloir savoir pourquoi. Bah à l'odeur. Des trucs un peu... Que leur dis-tu? J'ai entièrement confiance. Malgré l'odeur. Docteur Reed. Il y a des choses que vous n'avez pas forcément envie de voir, comme des corps. Ils ne sont plus que quoi. Ma foi. Donc vous avez de l'onguent au niveau du nez. Une sorte de onguent à l'eucalyptus. Vous approchez main dans la main avec Walter. Mignon. Au niveau de Rick. Vous allez me faire un jet de volonté avec un bonus de 30. 30 ? C'est possible ça ? Henri, tu es à 95. Franck, tu es à 70. Je rappelle que des cadavres, j'en ai déjà vu un paquet. Est-ce que je suis quand même concerné par les choses? Ah bah, le médecin a dû faire. Eh bien, hein. Vu ton petit... ta petite notation, effectivement, tu vas me faire ton jet avec un bonus de 40 au lieu de 30. Ouais. C'est... C'est la fête du slip, là. Bon, allez, je lance. Vas-y. Oh putain, ça. Moi j'ai bonus, hein. Merci le bonus. Moi j'ai peur, ma race. Hein. Non, mais ça non va. C'est bon. Mais non. Vous arrivez à traverser la pièce sans désagrément particulier.
Vous arrivez donc au niveau de l'angle qui se trouve ici. Vous voyez une table avec des morceaux de chair. Donc on peut s'avancer un petit peu ? Oui, tout à fait. Ok. Avec des mains, des bras, des mollets, des pieds. Ah, ça me rappelle les belles choses. La belle époque. La belle époque. Et sur votre droite, vous voyez une porte à barreaux, entrouverte, et vous voyez du sang qui vient de cet endroit. La porte, elle est entrouverte là. Tout à fait. Ça craint. Non, mais c'est à barreaux. On voit à travers les barreaux. Oui, non, mais si elle est entrouverte, ça veut dire que la bestiole, elle peut sortir ou qu'elle est déjà sortie. Qu'elle est déjà sortie pour aller, sortie pour aller manger. Voilà. Qu'elle est rentrée faire dodo. Ou qu'elle est pas rentrée du tout. Vu qu'on a entendu, vu que t'as entendu des bruits de pas. Ça pouvait être le. Tu me l'as notifié. Ça pouvait être le médecin. Bon, de toute façon, à partir du moment où il y a une torche, s'il y a un truc derrière, ça nous a déjà vu. Que faites-vous ? Ben, on va faire comme d'habitude, une ado qui se met devant et qui ouvre la porte, et puis, voilà. Bien. Les deux en tête, je vous en prie. Comme d'hab, hein. Hop. Qu'est-ce que c'est que vous ce vous avancez au niveau d'un couloir et vous voyez différentes cellules, oh, à droite et à gauche. Toujours plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Au fur et à mesure de votre avancée, vous voyez des cadavres. C'est Crado. Oh merde. Vous voyez des cadavres, pour certains, entiers. Mais en décomposition, vous supposez donc qu'ils sont décédés. Vous voyez des corps en haillons. Des vêtements déchirés. Même si les corps commencent à se décomposer, vous voyez que les personnes n'ont pas forcément un mode de vie, n'avaient pas un mode de vie très agréable. Vous supposez donc qu'il s'agit de sans-abri. Ok, donc d'accord, voilà. La créature n'est peut-être pas seule, hein. Voilà. Parce que peut-être que... Enfin, je fais une supposition. Je fais une supposition. Donc le médecin un petit peu névrosé. Donc il avait créé une sorte... Il a créé une créature. Ça, on en est sûr et certain. Voilà. Parce qu'elle a attaqué, machin, tout ça. Elle a tué notre très chère Kathleen. Et donc il a peut-être voulu essayer de se constituer un petit peu comme une armée. On va dire une armée de psychopathes aux dents acérées, aux dents et aux griffes acérées. Et à mon avis, ça, c'est un petit peu ces tests. C'est un petit peu, justement, ces sujets de test pour essayer de créer, justement, un ou plusieurs individus surdéveloppés. Ouais, ou alors c'est son garde-manger. Et c'est ce que j'allais dire. Ou alors il prend juste des sans-abri parce que pour faire des tests, il prendrait plutôt les nourrissons. Ouais. Et je pense que là, c'est juste, il prend les sans-abri et après, hop, il les sort, il les découpe. Et bon appétit, bébé. Oh, mon bébé. C'est-à-dire, je pense pas que la bestiole soit particulièrement végane. Hein. Non, je pense pas que le boulgour, voilà. Tout ça, c'est son truc. Non. Un petit tofu. Oh, bon, enfin. Petit quinoa. Un peu de quinoa, non. Du quinoa bio. Tiens, de l'éponge du tofu, pardon. Bien, vous avez rencontré ma créature nourrie au tapioca. Attention, rouge au tapioca. Agrémenté de son. Non, mais sinon, nous on avait entendu du bruit. Il y a peut-être quelqu'un à côté qui va peut-être bientôt s'enfuir. Ouais, puis surtout, du coup, c'est le seul accès. C'est le seul accès. Oui, de toute façon. Là, donc, il faut retourner là-bas et prendre la porte de à côté du mort. Vous retournez donc au niveau du hall. Que faites-vous ? Vous arrivez au niveau de la porte à double battant. Qui ouvre la porte ? Les costauds. Franck ! Ouais. Oui, bah c'est bon, je vais ouvrir la porte. Franck, tu ouvres l'une des portes. Je l'en trouve doucement, hein, pour l'instant.
D'accord. Avant d'ouvrir, je dis à tout le monde, cachez le, éteignez pas vos lampes, mais cachez le faisceau. Ok. Ma foi. Bien, tu entrouves la porte, tu distingues une très très vaste salle. Merde. Boss ultime. Ouais. Bon, et ben, messieurs, faut rentrer. Et si vous devez changer les piles de vos lampes, c'est maintenant les mecs. Bon, bah alors je propose qu'on rentre, ouais. Et puis qu'on canarde, hein, de toute façon. Non, non. Allez, on rentre et puis. Allez, je m'occupe de la droite, Rick de la gauche, Henri du milieu. Et Walter qui rattrape les blessés derrière. Okay. Je me mets contre le mur là. Voilà, moi je vais me mettre en face. Très bien. Allez, go. Je vous laisse avancer. Voilà. Alors, je voudrais faire quelque chose pour prévenir le MJ. Je vais mettre le flash de mon appareil photo à charger. Bien. Merci. Bien, donc Rick, sur ta gauche, tu vois une large cuve, un réservoir avec une partie de chaudière. Franck, toi, tu vois l'obscurité. Rick. Oui. Je t'en prie. Je vais longer les cuves. Bien, je te laisse avancer jusque ici. En regardant du coup dans cette direction. On est bien d'accord, voilà. Très bien. À tâtons. Jusqu'ici, c'est ça ? Très bien. Ok. Oui. Franck. On va pas se séparer, donc je vais le suivre en couverture, comme ça, pareil, en déplacement latéral de sécurité. Je reste derrière Franck. Moi, je reste contre le mur. Là. Voilà. Voilà, dans le coin. Dans le coin. Vous avancez tous les quatre en mode tortue. Rick, toi, de ton côté, tu distingues... sorte de fosse, tu n'arrives pas encore à voir, tu vois que le trou il y a une sorte de trou devant toi que le sol plonge à un moment. Ouais, mais pas grand chose de fou. D'accord. Je continue à m'avancer et je m'arrête genre un mètre avant le trou. Très bien, je te laisse avancer. Tu avances. Et tu vois, à un bon mètre en bas, tu vois la surface d'un liquide. Tu vois qu'il s'agit d'une grande cuve enfoncée dans le sol. C'est du colto, on est sauvé. C'est du une cuve de Bacta. C'est du lait de soja. C'est du lait d'anès. C'est pour ma peau fragile. Ok, je fais signe au gars de faire gaffe à cette cuve. Moi, elle m'inspire pas confiance. Non, faut garder un œil dessus. Ouais, garder un œil là-dessus, hein, parce que là... Ouais. Franck. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer un petit peu pour... me préparer, tu vois, pour aller de... un peu de l'autre côté de la cuve, comme ça. Oh là, mais il y en a combien ? C'est ça. Madre de Dios. Oh, madoué. Rick, effectivement, tu vois que Franck avance. Tu vois également, avec sa lumière, qu'il y a une autre cuve pas loin. Henri, Walter. Je rejoins un Franck. Ouais. Je rejoins Rick. Merci. Alors que vous avancez... tous les quatre. À quelques mètres devant vous, dans la pénombre, vous ne voyez absolument rien. Malgré vos lampes torches, vous n'arrivez pas à porter suffisamment. Vous entendez une voix. Une voix masculine. Une voix que vous n'avez pas encore entendue. Il était temps. Bien, je présume que vous avez trouvé la camionnette de Novak.
Vous pensez vraiment que je n'avais pas deviné ces plans? Que je ne pensais pas que vous alliez la trouver et trouver le mot qu'il a laissé à votre intention? Le filou. Vous pensez vraiment que j'ai laissé un seul chemin arrivant jusqu'ici? Vous êtes là parce que je l'ai décidé. It's a trap. Si vous êtes encore en vie, c'est que vous m'intriguez. Mais je commence un peu à percer au fur et à mesure que finalement vous n'en valez pas la peine. Nous vous arrêterons. Salaud. Promis Zoulin. Philippe. C'est où tu te caches? Bien. Je présume que vous avez trouvé Novak. Enfin, ce qu'il en reste. Ouais, c'est ça, ouais. Évidemment. Moi, j'ai envie de tirer dans sa direction. En fait, j'ai même envie de lui couper la parole pendant qu'il sort son speech. De tirer dans la direction de sa voix, quoi. Si ça le rate, ça va peut-être lui faire un peu peur. Tu commences à lever, à faire un geste, avoir un petit mouvement avec ton bras. Monsieur Blackwood, ah, mais... je vous les conseille. Non, mais j'en ai rien à foutre, je tire. Tu peux bien dire ce qu'il faut, j'en ai rien. Tu vas me faire ton jet de tir avec un malus de 20. Un malus de 20, d'accord. T'es dans la merde. Non. Non, on est dans la merde. Voilà. Trois bestiaux qui vont sortir des cuves, on va pas comprendre. Voilà. Ah, ça passe pas. En même temps, il est dans le... Eh, j'ai dit, le but, c'est pas de le tuer, c'est au moins de lui faire peur. Tu tires dans une direction, la voix résonne dans la pièce. Alors que tu tires un peu au hasard, le flash lumineux de ton revolver vous dévoile, pendant un millième de seconde, une silhouette à l'autre bout de la pièce. Vous distinguez très brièvement Vane ainsi que Natasha Novak, qu'il tient devant lui avec une lame au niveau de son cou. Bah moi, j'ai envie de vous dire, j'étais persuadé qu'elle était morte, donc ça va pas changer grand chose. C'était très maladroit de votre part, monsieur Blackwood. Préparez-vous à mourir. Tu l'entends siffler, tu vas me faire un jet de volonté. Henri, tiens-toi prêt, il faut pas que tu... Un jet de vigilance. Dans la cuve de droite, tu le savais. Putain, tu entends un petit crépitement au niveau de l'eau, tu entends un remous. Puis tu... Je me jette en arrière. non, mais c'est pas étonnant, je me jette en arrière par là. Et quand je disais Henri, tiens-toi prêt, c'était pas une connerie, je l'ai dit. Hein, attention. Tu sautes en arrière. À ce moment-là, vous voyez une main grimper sur le rebord du sol. Henri, tu vas me faire un jet de vigilance également. Fort pas sur celui-là, s'il te plaît. Bien, Henri, tu vois ton camarade Franck, qui est devant toi, se jeter en arrière suite à un mouvement qu'il aurait perçu à côté de lui. Que fais-tu? Je dis à Eric de tirer dans la cuve. Et t'es devant moi. Je veux pas tirer, mais t'es devant moi. Ah, oh, ouais. Bah non. La créature, elle est pas sortie, on voit juste sa main pour le moment. Tu vois juste les doigts sur le rebord de la cuve. Ouais. Je tiens ma torche éclairée dessus, hein, comme ça il a une bonne vue à peu près sur ce qui se passe. Non, moi je vais tirer directement dans la cuve. D'accord. Juste en dessous, direct. Alors moi, que Franck se jette en arrière, que tu pointes ton arme en direction de la cuve, vous entendez un coup de feu. Un coup de feu qui va vers votre direction. Un coup de feu provenant de là-bas. De Vane. Bah oui.
Rick. Ok, bon, les gars, on va essayer de se regrouper un petit peu quand même. Un petit peu espacé, mais suffisamment groupé quand même. Je vais me mettre à côté, du coup, de Franck à ce niveau-là. Et je demande à, du coup, à Henri de se mettre juste derrière nous, entre nous deux. Et Walter qui ferme la marche. Pour essayer de faire une première ligne, un front. En fait. Alors, Henri, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'approcher tout doucement. Moi, j'ai ma lampe pointée en plein sur là où a priori la bestiole. Donc, si elle sort, elle sera un petit peu aveuglée. Toi, et on passe au-dessus et tu sais ce qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Oui. Voilà. Donc, en position. Voilà. Un autre coup de feu provient de l'autre bout de la pièce. Henri, ici. Vous allez tous mourir. Quoi ? Vous allez tous crever ce soir. Vous entendez un fort bruit d'eau. Et vous voyez. Vous allez me faire un jet d'observation. Pour ceux qui se dirigent vers la cuve. Oh putain! C'est incroyable! C'est incroyable! Donc vous vous dirigez tous vers la cuve. Merci! Très bien. Voilà. Merci, putain! C'est incroyable. Franck, toi, tu distingues ainsi que. Walter, si je dis pas de bêtises. Yep. Yes. Franck et Walter, vous distinguez une forme sortir de l'eau. Je tire. Vous voyez quelque chose, bondir les gars ? Hors de la cuve. Je tire et je hurle Henri ! Bondir à l'opposé. À l'opposé. Ah, bah je tire quand même. Mais je tire quand même. Oui. Faire ton jet de tir avec un malus de 30. Oh là là. Et ouais, obscurité, panique. Voilà. C'était maintenant qu'il fallait le sortir le 6. M'en fous, ça passe. Le château. Voilà, rien à foutre, ça passe. Tu peux vérifier, ça passe. Tu vas me faire, dans ce cas, un jet de dégâts. Tout à fait. Je suis à 1 des 10 plus 2. Attends, t'es avec quelle arme, là? Ah oui, c'est... Colt, c'est le mien que j'avais au départ. Ah, t'as gardé le tien. D'accord. Bah, j'ai deux, en fait. D'accord. Là, je tire avec mon Colt à moi que j'aime. Ok. Donc 9. Très bien. Tu atteins potentiellement une cible, tu penses qu'il s'agit de la créature, tu penses l'avoir touchée, malgré la vitesse à laquelle elle a bondi de la cuve. T'inquiète. Rick. Ouais. Je t'en prie. Elle est partie, bah moi je l'ai pas vue moi de toute façon, donc T'as juste entendu le coup de feu et voilà. Ouais, j'ai juste entendu le coup de feu, quoi. Bah écoute, moi je reste à... T'as peut-être vu quelque chose avec le flash, remarque. Je sais pas. Je sais pas si avec le... Ouais, faut voir si... Est-ce que j'ai vu potentiellement quelque chose avec le flash? Tu vas me faire un jet de... Non, tu m'as fait un jet foireux précédemment, donc non, tu ne vois rien pour ce tour. D'accord, super, ok. Je reste en joue. Je regarde dans cette direction et... je redouble de vigilance, mais je peux pas faire grand chose de plus quoi pour l'instant. Là, je suis complètement kéblo quoi. Très bien. Walter. Les jets de merde. Je sais pas. Je vais juste me mettre un peu sur le côté comme ça. Et essayer d'observer, voir si... ou d'écouter si j'entends Vayne se... Ah ouais, a pas peur. Non, mais... Bah si. Vous êtes... Tu avances, tu entends un coup de feu. Oh merde. Tu t'écroules. Non. Tu sens une balle. Oh merde. Tu sens une balle te perforer. Oh merde. Tu sens une balle t'atteindre au niveau de l'estomac. Ça fait mal ça. C'est merveilleux. Ça fait mal ça en plus. Attends, c'est quoi ça? C'est pourquoi il y a 2G là? C'est le premier qui compte, hein? Ouais, c'est le premier qui compte. Est-ce que je peux m'auto-garrotter l'estomac? Il y en a deux. Attends, quoi? Non, il y a qu'un seul tir, c'est le nombre de dégâts. Ouais, 2d6. Tu perds 5 points de vie. Ah, c'est 2d6, d'accord. Henri. Je vais faire un flash dans la salle pour essayer de localiser la créature et potentiellement aveugler Vayne au passage. Très bien.
Et je vais demander à Franck d'aller s'occuper de Vayne parce que apparemment c'est un bon tireur, et Rick de tirer sur la créature dès qu'il peut ou qu'il la voit et machin quoi. Ou potentiellement lancer son molotov. Tu veux que je fasse un groupe dehors? Enfoiré. Bah prends Walter si tu veux. Là, mais là de toute façon. Ouais, là de toute façon. Mais là on est. Enfin lui il nous tire dessus parce qu'il voit nos lampes et. Ouais bah oui je sais bien. Ouais. Il faut le neutraliser et c'est toi le meilleur tireur. On est d'accord. Et puis Rick a une grenade, donc enfin il a son okay. cocktail. Bah ce que je fais, putain c'est super con ce que je fais. Je vais éteindre ma lampe. Et je vais vous dire de vous occuper de Walter et puis je vais partir dans les ténèbres et tout ça. Voilà. Non mais attends parce que la créature elle voit bien dans le noir. C'est ça le truc, fais gaffe. Ouais mais je lui fais mal, c'est bon. Elle a peur de moi. Donc déjà j'ai flashé. Calme. Est-ce qu'on voit quelque chose? Donc voilà, il a flashé. Tu flashes, je vais faire un jet ouvert. Ceux qui ont en dessous de ce résultat en observation, faites-vous savoir, faites-vous connaître. Pas moi. Moi j'ai moins. Tout le monde a moins, je pense. Non, hein. Moi c'est bon. Non ? Non, moi j'ai. Henri et Franck, avec le flash de l'appareil d'Henri, vous voyez Vayne dans cette direction. Mais aucune trace de la créature. Putain, elle s'est planquée dans une cuve, peut-être. Ouais, c'est clair. On a pas entendu de plouf. Ouais, enfin, ça veut rien dire. On a pas entendu de plouf. Rick ? Ouais. Que fais-tu ? Je vais me... Désolé, Walter. Je... Non, mais c'est bien, laissez-moi crever, c'est pas grave. Non, mais justement, je vais m'approcher de toi... Mais je vais me protéger derrière ton corps. Oh putain. Je m'allonge et je me protège comme ça et j'essaie de voir avec ma lampe torche. Excusez-moi, si vous voyez le respect passer, vous m'appelez. Alors, mauvaise nouvelle, Shenna, le respect est mort et enterré depuis la saison 1, depuis le début de la saison 1. C'est ça. Je sais. Je suis désolé. Donc, j'atterris à côté. Tu vas tellement te faire défoncer la prochaine fois que tu la vois. Mais non, je veux dire que... Je pense que je t'ai mis de longs gants. Bref, donc tu te jettes derrière Walter pour te couvrir. Bah, c'est pour me couvrir et pour voir un petit peu l'étendue de ses blessures aussi, quoi. D'accord, oui. Très bien. Il faut quand même quelqu'un qui s'approche pour voir où il est. Bien sûr, c'est pour l'examiner, tout à fait. Franck, que fais-tu ? Du coup, t'as dit que on avait aperçu où était Vayne. Tout à fait, dans cette direction. Aïe. Celui-ci s'est recouvert au moment du flash. Alors désolé, mec, il faut que je fasse le, enfin, il faut que je tente le coup parce que lui, effectivement, faut quand même le goûter. Je suis en mode SWAT, tout ça avec la lampe torche et le flingue comme ça, et je trace vers là-bas pour essayer de le buter, quoi. En espérant pas crever. Vous arrêtez vers ici, là, du coup. Franck, alors que tu avances dans la direction voulue, un coup de feu retentit et une balle te frôle. Tu entends Vayne qui râle. Tu distingues à peine sa silhouette. Tu le vois reculer. J'ai vu le coup de feu. Et tu entends une porte fermée. Oh le con. On entend quoi ? Une porte fermée. Une porte se refermer. Ok, d'accord. Bon, déjà... Je vais revenir, tout de suite. Bon point. Non mais déjà un bon point, voilà. L'autre il s'est enfermé. Il reste plus que la créature dans la pièce. A priori. Bon alors je pars du principe qu'il s'est vraiment échappé. Du coup je vais revenir vers les autres et je leur dis de s'éloigner. On attrape Walter et on s'éloigne un peu typiquement vers l'espèce d'alambic par là pour s'éloigner des cuves. Ok, va falloir le porter. Hein. Bah oui, bah on le prend. Il faudra de l'aide pour le porter. On traîne. Traînez-moi. On est pas en mode, faut être gentil, ah oui. On traîne. Oui, on le traîne quoi. Ouais. Désolé, okay. Walter. Hein, mais bon, là, voilà. Moi, tu vois, là, est-ce que pendant que
Vous me traînez par terre. Non, non, attends, c'est lui l'enfoiré. Attendez, je suis parce pour que ça coupe chez moi. Eh, c'est pas l'enfoiré, parce que je m'approche. On n'allait pas le laisser en plein milieu, de toute façon. Il fallait bien que j'aille vers lui. Ouais. Henri. Est-ce que j'entends un bruit du monstre? Tu vas me faire un jet d'écouter. 'Lo! Festival là. C'est tu entends un bruit de remous. Droit devant toi. Oh putain. Du coup, il n'aurait que. Tu entends un bruit de remous dans cette direction. Ok. Je flash. Rick. Pour couvrir les autres, je flash. Non, non, approche. Non, non, il faut t'avancer. Tu flashes, ah. Tu vois la salle vide dorénavant. Bien. Ok. Rick, tu es à côté de Walter. Je profite de ce laps de temps pour le tirer vers l'alambic. Ouais, les cuves. Et on le tire à deux. Hein, D'accord. On le tire à deux. Donc vous le tirez tous les deux. Et puis moi je pointe la lampe torche vers les cuves pour voir s'il y a quelque chose qui arrive ou qui bouge. Parce que si on est dans un coin, on a moins de surface à recouvrir. C'est ça. Vous reculez tous les quatre. Vous entendez un autre bruit d'éclaboussure. Ok, d'accord. Quelle zone? Enfin, dans quelle direction à peu près le bruit? Tu vas me faire un jet d'écouter. Oui, chef. Ça passe. Dans cette direction. Okay. D'accord. Oui, donc... À deux pieds près. Oui, non, mais voilà. Du coup, je propose qu'on foute Walter contre le mur. Et qu'on se mette de... Putain. Parce que quand même pendant tout ce temps je peux essayer de me prendre m'auto-garrotter, de faire quelque chose, enfin de. Bah, tu vas me faire un jet de volonté avec un malus de 30. Oh là là. Tombe pas dans les pommes, tombe pas dans les pommes. Tu es à 40%. Mes frères. Rosanna, Rosanna. Tu te sens défaillir, tu n'arrives pas à avoir les idées claires, la douleur te prend aux tripes, littéralement. Ce que je fais, c'est que je l'attrape Walter, je l'allonge derrière dans le coin, je passe mon deuxième flingue à Rick et puis je regarde si je peux faire quelque chose. Alors je suis pas médecin, mais enfin des blessures j'en ai vu quelques-unes, l'armée tout ça, donc je peux peut-être essayer au moins de ralentir le truc quoi. Tu vas dans ce cas me faire un jet de premier soin, tu es à 40%. Voilà. Oh merde. Du sang coule abondamment de Walter, je vais faire un autre jet. C'est la fin les gars. Mais non, pas Walter. Tu perds deux autres points de vie. Merde. Walter. J'ai atteint mon seuil de blessure, non? C'est probable. Rick? Ouais. Est-ce que Walter est encore conscient? Tu vois qu'il commence à défaillir légèrement. Tu vois qu'il les yeux grands ouverts, mais tu vois qu'il commence un peu à perdre pied. Ok, j'examine voir si le projectile est ressorti ou pas. C'est en tâtant, en essayant de voir si la balle a traversé le corps ou pas. Et je demande encore à Walter qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a dans ta trousse qu'on peut utiliser? Tu vas me faire un jet dans ce cas de criminalistique. Afin de déterminer si la balle est ressortie ou pas. Oh ta merde là. J'ai trimé ici pour voir s'il y a un truc. Tu n'arrives pas à voir s'il y a. Une sortie au niveau du dos de Walter. Si la balle en est ressortie ou pas, il y a trop de sang, les vêtements de Walter sont imbibés. Franck? J'ai envie de chialer. Mais non, mais bon, moi ça m'énerve parce que je rate tous mes jets quoi, c'est pénible à la fin. C'est ça. Franck? C'est horrible, ça sert à rien. Ah ouais, pareil, mais là le problème c'est qu'on est un peu dans la merde. Je vais retenter. Faut prendre ta veste et tu appuies pour compresser. Je vais retenter de faire ça pour limiter l'hémorragie, mais.
Et je me retourne vers Eric en disant, toi garde les flingues et surveille parce que ça va arriver dans pas longtemps là. Bah ouais. Très bien. Henri, tu es à l'affût. Tu es en première ligne. Ouais. C'est vrai. Ouais. Je vais reculer, me coller un peu plus à eux. Je scoute la salle toujours avec ma lampe. Et je sais pas quoi faire d'autre. Comme tout le monde est occupé. Écoute, observe, essaye de voir, voilà. Enfin d'entendre ou de quelque chose, savoir si le truc est sorti quoi. Ouais. Est-ce que ça se rapproche, est-ce que ça s'éloigne? Tu vas me faire un jet de vigilance. Oh merde. Tu es à 60%. Oh putain. Merci JP, merci. Merci nom de Dieu. Alors que tu guettes avec ta lampe torche, tu observes les trois cuves devant toi, tu regardes derrière toi, tu vois Walter qui saigne abondamment. Je regarde pas derrière. Je regarde que devant. Tu vois juste un coup de tête rapide, tu vois Franck qui maintient la blessure, qui semble paniquer, tu vois que Walter commence à perdre pied. Tu vois Rick qui est affolé. Concentrez-vous les mecs, nous on peut encore survivre. À ce moment-là, Walter aussi. Tu n'entends rien de particulier, c'est vraiment le calme total. Oh putain. Et peut-être c'est ton instinct, peut-être c'est l'adrénaline, la peur. Tu as tout à coup l'impression qu'on t'observe d'en haut. Oh putain non ! Tu as à peine le temps de tendre la lampe vers le haut. Et à ce moment-là, tu vois la créature qui tombe juste en face de vous. Rick, que fais-tu ? Je balance ma molotov. Tu vas me faire ton jet de dextérité, s'il te plaît. Foire pas. Je fais mon jet. Yes ! Ah oui ! Parfait. Oui. Briquet, torchon, je lui balance sur la gueule. Henri, tu vas me faire un autre jet. Je saute. De vigilance. Toi, tu vas me biche. Faire un jet de vigilance. Il y en a qui flashait aussi. Tu flashes, tu vois la créature qui est aveuglée sur le coup. Ouais. Bon. Fais-moi ton jet de vigilance. Tu vas me le faire avec un malus de 10. Oh putain, ça va. Oh putain. Tu utilises ton flash au moment où la créature atterrit devant toi, accroupie. Tu distingues du coin de l'œil, tu vois Rick qui fait le mouvement de lancer de son molotov. Du coup, tu as le réflexe de flasher en sautant en arrière. Oh là là ! La créature prend donc feu. Rick, ouais. Tu vas me faire un jet de dégâts, s'il te plaît, pour ton molotov. Vas-y. As un jet de dégâts. Un des six. Un des six, c'est parti. Six. Franck, tu es tourné vers Walter, tu vois à un moment une forme derrière tes camarades prendre feu. Que fais-tu ? Lâche-moi. Ouais, c'est... Désolé, réflexe, je me retourne, du coup là en plus elle est bien éclairée, la bestiole, je la vois. Je vois la créature qui commence à pousser une sorte de hurlement, à bouger... à essayer de se débarrasser du feu, tu vois qu'elle commence à reculer votre emplacement. Pendant qu'elle recule, du coup, vu qu'elle est bien éclairée, je sors mon flingue et je finis de vider mon chargeur dessus. Akimbo ! C'est ça. Dans mon chargeur, il reste 5 balles. Tu vas me faire ton jet de tir avec un malus de 20, s'il te plaît. Moi, j'ai sauté derrière, je suis par terre. Ça passe ! Oh, voilà. Le Moldave. Oh, la chatte ! Tu tires dans la créature qui recule, qui se prend les impacts de balles. Tu vois qu'elle recule de plus en plus et le dernier impact la fait basculer dans l'eau. Évidemment. Rick, que fais-tu ? J'enlève ma veste et je la mets. Je rejoins Walter pour appuyer sur sa plaie. Continue pour limiter mon agi. Moi, je laissez-moi faire, j'ai des premiers secours, moi. C'est maintenant qu'il le dit. Bah, si t'es occupé, moi j'étais obligé de surveiller. Non, mais je. Ouais, occupé, ouais, moi je m'occupe de Walter. Voilà, on fait ça.
Ok, vas-y. Ok, du coup, j'ai pas fait mon truc. J'écoute pour voir si la bestiole est repartie. J'éclaire vraiment. J'essaie d'éclairer devant moi, sur le toit. Enfin, sur le plafond, pardon. J'essaye d'observer comme je peux. Donc, je te laisse te déplacer à ton bon vouloir. Franck, okay, que fais-tu? Juste me mettre là, ici, plaqué. Je recharge déjà mon arme. Et je vais m'avancer. C'est-à-dire que moi, je commence à être assez confiant quand même que la bestiole, elle est un peu... Elle est très très mal en point. Donc j'y vais un peu à volo. Je m'approche de la cuve en essayant d'éclairer l'intérieur, voir si je la distingue, sans m'approcher non plus au bord du truc, quoi, mais... m'approche genre par là et avec le flingue levé, voilà. Henri, tu voulais du coup tenter de soigner tant bien que mal ce pauvre Walter. Ouais, ça servait de limiter l'hémorragie au maximum. Tu es à 35% en premier soin, je t'en prie. Ah, j'ai pas envie de fais pas un sang, fais pas un sang. Et merde. C'est pas compliqué de mettre une veste et d'appuyer sur la plaie. Pourtant. Walter, tes derniers mots? Oh putain. Merci les gars. Amen, y a des où. Oh là là. Tu perds 4 autres points de vie. Que fais-tu? Tu vois tes camarades qui sont au loin. Tu vois Henri qui est penché sur toi. Putain, merde. Walter, tu commences à grandement défaillir. Tu vois des flashs lumineux qui t'apparaissent. Tu revois les visages de tes camarades. Oh putain, celui non de Kathleen. Oh, c'est horrible. Oh putain. Que souhaites-tu faire? J'utilise mes dernières forces pour me relever vers Henri et jeter à l'oreille. Démerdez-vous, mais sortez de l'avion. Oh, putain. Oh non, putain, non. Et voilà. Tu vas me faire un jet d'intelligence. Tu es à... Tu es à 90%. Et là, tu n'arrives pas à articuler. Quoi? Merde. Ah, la fin de merde. Bien, tu viens de te rappeler dans la panique, malgré ta blessure, malgré le sang, tout le sang que tu perds. Tu viens de te rappeler que, grâce aux mots de Novak, que le seul moyen d'éliminer le dénaturé est de lui planter le cœur. Tu te rappelles que tu as avec toi le canif de Kathleen. Au moment où tu prononces tes mots, démerdez-vous mais sortez de là vivant. Tu prends le couteau de Kathleen et de tes dernières forces, tu le tends à Henri. Puis tu t'écroules au sol. Tu glisses contre le mur et tu tombes sur le côté. Franck, j'espère que j'avais pas mis de détails. Vas me faire un jet de vigilance, s'il te plaît. Tout à fait. Et ça passe. Alors que tu t'approches doucement de la cuve, la créature commence à apparaître au niveau de la surface de l'eau et bondit juste en face de toi. Je lui fous ma lampe torche dans les yeux. Tu vois qu'elle est éblouie,
du coup par ce coup. Tu vois qu'elle est brûlée sur la majorité du corps. Elle te met un coup violent sur le côté. Tu voles à ce niveau-là. Ah ouais. Tu prends 4 points de dégâts. Rick, tu vois Franck qui vient de voler. Tu vois derrière toi, tu entends les sanglots de Walter, presque, lorsqu'il s'écroule au sol. Tu vois Henri qui est devant Walter, qui est complètement... complètement dépassé par tout ça, avec le couteau dans la main. Que fais-tu ? J'essaye de le tirer vers moi pour ramener vers... Oh putain, vers Walter et Henri. Très bien. Je vous laisse vous déplacer. Ok. Henri, tu vois la créature qui, après avoir mis Franck au sol, tu vois que la créature avance vers vous. En avançant comme un primate à moitié, tu vois qu'elle a du sang, de la bave qui coule le long de sa bouche. Je vais cramer mon poids d'aplomb. Je vais courir vers la créature en flashant tout ce que je peux. Tu vas me faire un jet de corps à corps, tu es à 24%. Tu utilises ton point d'aplomb, ton seul point d'aplomb. Tu as donc un bonus de 40. Tu as 64%. Et je compte sur le fait que la créature soit aveuglée par les flashs. Plus le flash, effectivement. Donc ça te fait un bonus de 50 au total. Tu as 74%. La créature avance vers Rick et Franck. Par où de neuf, oui, yes, réussite spéciale, bim. Tu arrives au niveau de la créature. Tu vois qu'elle s'apprête à donner un coup sur Rick et Franck. Tu arrives, tu lui plantes le couteau dans le torse, au niveau du cœur. Au moment où elle recule, elle te met un coup au passage. Tu tombes également sur le côté. Et la créature s'écroule juste à côté de toi. Tu perds un point de vie. La créature est au sol. Morte. Moi, je commence à embarquer Walter pour voir s'il n'y a pas moyen de le foutre à l'hosto hyper rapidement, quoi. Un truc. Moi, je vais prendre le couteau justement qu'avait du coup Henri dans les mains, et je dis, vous deux, vous avez des petites connaissances en médecine, essayez de vous débrouiller pour sauver sa peau. Rick, vous tu entendez me rendras ce couteau. Vous entendez des bruits de pas provenir de cette direction. Évidemment, les flics qui arrivent à la fin. Alors que vous êtes en train de vous remettre très très rapidement de vos émotions, vous voyez Wade qui arrive légèrement décoiffé, le costume cradé par les aléas dans les égouts. Vous voyez qu'il arrive une arme à la main, essoufflé. Vous voyez qu'il voit Walter au sol. Il vous voit tous les trois, il voit la créature. C'est fini? Pour l'instant, je sais pas, mais il nous faut une ambulance tout de suite. Ouais. Vous avez trouvé Vayne? Tout de suite. Il s'approche. Il a pas encore fait de Walter. Vayne s'est échappé, mais pour l'instant, il nous faut une ambulance. Très bien. Allez-y, je m'occupe de Reed. S'il te plaît. Okay. Je veux pas qu'il meure, moi. Je veux pas que Walter il meure. Bah non, sinon qui c'est qui te servira de bouclier humain? C'est clair. Ça va, ça va. Qui c'est qui te mettra ton petit onguent? Hein, mon onguent. Ah ouais, écoute. Que faites-vous? Allez, on part à sa poursuite. Okay. Le boulot n'est pas fini. On part à sa poursuite. Ouais, bah ouais, c'est le problème, c'est pas fini. Ouais, on trace. Vous voyez un couloir sur votre gauche. Oh, puis la porte par laquelle s'est dirigé Vayne. Et ouais, bah, ça doit être la porte qu'il a pris, hein. Je pense qu'elle sera fermée. Bah ouais, là on n'a pas le temps de se préoccuper des autres endroits, on fonce. Je vais en premier parce que j'ai pas pris de dégâts pour l'instant. Tu décides de l'ouvrir, j'imagine? Bah oui, bien sûr.
et tu vois à l'intérieur de cette pièce le corps de Natasha Novak. Qu'est-ce que... Ainsi que des grandes cuves, des grandes bassines, tu n'arrives pas à distinguer. Tu vois qu'il y a de l'eau à l'intérieur, un liquide, et tu distingues des formes humanoïdes à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est d'autres bestioles. Oh nom de Dieu, mais ça a l'air bien plus massif. Et vous distinguez une sorte de laboratoire, du coup le laboratoire de Vayne. Dans les cuves, vous voyez donc d'autres dénaturés. Ah ouais. Vous allez me faire... Je vais vous faire un jet de toc. Un jet de toc commun. C'est à 34. C'est bon. Pour ouais, ceux qui ouais. arrivent, vous voyez sur l'un des dénaturés, vous voyez une... comme une tache de naissance. Non, non, mais cherche pas. C'est qu'il sert des fœtus pour créer ces trucs-là. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, ce sont les fœtus. Non, j'ai, non, fait, j'ai fait le lien aussi. Non, non, mais j'ai pensé aussi. Ta gestion, je me rappelais plus sur laquelle des victimes on avait vu, mais je m'en souvenais. Bon, bref. Ouais, je me souvenais plus le nom, je cherchais à voir si c'était sur le rapport d'autopsie ou autre. Alors, déjà. On comment fait le tour de la pièce, voir si. Enfin, Natacha, elle va comment hein. Bon, bah, il a dit que c'était le cadavre. Hein. Tu. Non, pas du tout. J'ai pas du tout dit ça, j'ai dit le corps. Tu avances, Henri, au niveau de Natasha Novak. Tu vois que celle-ci a une légère contusion au niveau de la tête. Tu vois qu'elle a été assommée. Bien, bon, elle va pas s'enfuir. Henri, amène-la tout de suite auprès de Wade. Elle a besoin de soins aussi. Franck, Rick, vous allez me faire un jet d'écouter. Et Henri également. Voilà, pour changer. Voilà. Bon, Henri, ça va. Pour changer. Henri, tranquille. Ça va aussi. Vous entendez des murmures un peu plus loin. Des murmures ? Bah oui, c'est, il est peut-être encore là. Ah oui. Il nous aurait pas laissé faire, je pense. Il nous aurait pas laissé buter une de ces créatures. On est trois à être armés, il est tout seul, donc je pense qu'il sait qu'on est... qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver. Vous approchez de la porte du fond. Vous voyez qu'il s'agit d'une lourde porte en métal. Vous entendez des voix derrière. Les voix sont assez loin. Vous n'entendez pas encore ce qu'elles disent. Des voix. Tout à fait. Est-ce que par hasard on pourrait distinguer si c'est des voix de femmes ou des voix d'hommes ? Tu n'arrives pas à distinguer, tu entends juste des murmures, des voix, tu n'arrives pas à savoir. Okay. C'est assez loin. Henri, pendant que tu ramènes Natacha, tu ramènes Wade ici et tu lui dis de ramener des hommes pour vider les cuves. Non, mais je vais et juste aller chercher, je vais juste dire à Wade, hein, il viendra la chercher, moi je vous accompagne. Il est dans la pièce juste à côté. Ok. Okay. Tu files du coup prévenir Wade. Les gars, que faites-vous ? Moi je me mets à la porte et j'essaye de l'ouvrir. Je suis à côté en soutien. La porte est verrouillée. J'ai encore assez de crochets ? Non. Elle a quoi comme apparence la porte ? Elle a l'air. Lourde porte métallique. Lourde porte métallique. Faudrait voir si on peut choper les clés quelque part. Ouais. Si c'est sur le là sur sa paillasse. Voir si sur sa paillasse c'est quelque chose. Ouais, je vais fouiller là-haut. Toi fouille en bas, voir si tu trouves pas une clé quelque part. Ouais. Ok. Alors que Franck s'éloigne, Rick, tu vas me faire un autre jet d'écouter. Non. Ça passe. Je vais demander à tout le monde sauf à Rick d'enlever leur casque. Oh merde. Oh merde. Oh bordel de cuisaras. Alors que tu t'apprêtes à tourner le dos à la porte, tu entends les voix devenir de plus en plus fortes de l'autre côté de la porte. Tu reconnais la voix de Vayne, du coup. Non, 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 s'il vous plaît. Écoutez, j'ai fait tout ce que vous vouliez.
Mes créatures sont prêtes à fonctionner. J'ai juste un détail à régler au niveau de... Elles ont du mal à résister à la lumière du soleil et à toutes sortes de lumières, mais les créatures sont sur le point de fonctionner correctement. Tu entends une autre voix. Une voix bien plus grave. Et c'est douce. Et très posée. Vous avez fait tout ce que nous attendions de vous, Vayne. Vos créatures fonctionnent juste assez pour pouvoir permettre à l'ordre de continuer dans sa recherche. Vous allez mourir maintenant, Vayne. Tu entends le cri du docteur, puis plus rien. Les autres n'entendent pas le cri. Les autres entendent le cri. Okay. Tu es le seul à avoir entendu la discussion. La conversation. Ok. L'ordre. Vous êtes en train de fouiller. Franck, tu trouves un trousseau de clés sur le laboratoire. Très bien. Et ben, je le prends pour aller à la porte. Henri, tu reviens de ta petite visite à Wade. Ouais. Rick, que fais-tu ? Donc, ils ont entendu le... Ils ont entendu un cri. Ils ont entendu un Au cri. Au moment où vous êtes en train de revenir, Henri, toi tu reviens, tu arrives dans la grande salle, dans le laboratoire. Toi, Franck, au moment où tu trouves les clés, tu entends, vous entendez tous les deux, un cri provenir de la porte. Oh merde. Assez lointain. Les gars, faut y aller. Ouais, faut y aller. Faut y aller. Bah, du coup, Non, mais pour les gars, j'ai entendu une autre personne. Elle vient, je pense, de tuer le savant fou. Il faut y aller. Ah oui, il faut y aller. Il faut essayer de choper. En espérant que c'est pas. Il faut essayer de le choper. Je vous expliquerai après, mais faut y aller. Vous ouvrez la porte. Voilà. Avec le trousseau de clés. Vous arrivez au niveau d'un couloir. Dans ce dit couloir, vous trouvez le corps de Vayne, allongé au sol, la main droite tranchée et insérée dans la bouche, les doigts vers l'extérieur. Vous voyez que ça forme comme une sorte de barbe de tentacules.